Hello la Bifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des signes qui prouvent qu'une personne t'aime plus que toi, tu l'aimes. Et oui, si tu t'es déjà demandé si ton ou ta crush t'aime plus que toi, tu le kiffes, eh bien reste sur cette vidéo car je t'ai concocté les 6 signes qui prouvent que c'est le cas. Voilà! Mais juste avant, j'aimerais t'inviter à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est là-bas où tout se passe. Je vous laisse voter pour le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur YouTube, me donner vos idées et surtout, je réponds à vos problèmes de cœur. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram. Le lien est dans la barre de description. Bref. Place à la vidéo et les signes qui prouvent qu'une personne t'aime plus que toi tu l'aimes. C'est parti! Alors, premier signe, c'est que il ou elle trouve tous tes défauts mignons. Tout ce qui t'agace chez toi, les petits détails, cette personne le kiffe. Ça ne la dérange pas, elle vit avec et même parfois elle te dit qu'elle trouve ça trop cute. Alors que même toi, t'as du mal à te supporter des fois. Ensuite, un deuxième signe, c'est si tu es sa priorité. Il ou elle met toutes ses activités de côté pour te voir. Il ou elle est toujours disponible quand tu le veux. Voilà, il ou elle te demande toujours de se voir, des rendez-vous. Il ou elle veut que vous passiez le maximum de temps ensemble, quitte à s'oublier. C'est-à-dire que cette personne va mettre un petit peu de côté ses potes, va mettre de côté ses activités, ses passions, pour te voir toi. Et même parfois, toi tu te dis que quand même cette personne devrait vivre sa vie, qu'elle ou il devrait voir plus ses potes et voilà, kiffer sa life. Ensuite, un troisième signe qui prouve que cette personne t'aime plus que toi tu l'aimes, c'est si dans les disputes, il ou elle s'oublie. Voilà, il ou elle va tout faire pour ne pas te contrarier, pour ne pas mettre votre couple en danger ou votre relation qui débute en danger, donc il ou elle ne va pas dire ce qui ne lui plaît pas, il ou elle va se laisser un peu marcher dessus, tu peux lui manquer de respect sans que il ou elle ne fasse quelque chose parce que pour lui ou pour elle c'est votre relation qui est le plus important et pas forcément ce qu'il ou elle ressent, donc il ou elle va oublier un petit peu ses limites personnelles. Ensuite, un quatrième signe, c'est la jalousie. Mais quand je parle de jalousie, je parle quand même de jalousie extrême, de possessivité. C'est un petit peu qu'il ou elle essaye de te contrôler par peur de te perdre. À qui tu parles? Est-ce que je peux vérifier ton téléphone? J'ai l'impression que tu me trompes ou que tu parles à d'autres personnes. Ton score Snap il a augmenté, il ou elle te stocke sur les réseaux. Bref, ça va être cette espèce de jalousie un peu trop poussée parce que cette personne a de la dépendance envers toi et a très peur de te perdre. C'est voilà une dynamique qu'on retrouve très souvent, la jalousie, quand une personne aime plus que l'autre. Et enfin, un dernier signe qui prouve que cette personne t'aime plus que toi tu l'aimes, c'est si tu lui manques tout le temps. Il ou elle a toujours besoin d'avoir de tes nouvelles par message pour savoir si tu vas bien, ce que tu fais, où tu es. Il ou elle veut que vous voyez tout le temps et quand toi t'es en train de faire tes activités, il ou elle te dit toujours tu me manques, tu me manques, tu me manques. Et surtout, si ça t'est déjà arrivé de toi penser ben moi tu m'as pas vraiment manqué, pas en mode je t'apprécie pas mais juste en mode je faisais ma vie, je kiffais mon moment aussi en dehors de la relation, et ben ça devient un petit peu compliqué, ça prouve que tu lui manques plus que toi tu lui manques, enfin je sais pas si vous avez compris mais en gros cette personne ressent beaucoup plus le manque que toi tu le ressens. Alors du coup voilà, c'était tout pour les signes qui prouvent qu'il ou elle t'aime plus que toi tu l'aimes. Par contre, j'aimerais faire un disclaimer. À aucun moment je n'encourage ce genre de relation, je n'encourage ce genre de choses. Peut-être que voilà, ça t'a fait du bien à ton ego de te rendre compte que cette personne t'aime plus que toi tu l'aimes, mais c'est très dangereux, c'est une relation malsaine, ce qui veut dire tout simplement qu'en fait cette personne a de la dépendance affective envers toi, qu'il ou elle n'est pas heureux seul, qu'il ou elle a besoin de toi pour combler son bonheur. Et ça va engendrer de la jalousie, plein de problèmes dans le couple et c'est une relation malsaine.
Donc, si tu t'es retrouvé dans ces signes, malheureusement, essaye vraiment de te reconcentrer sur toi, de faire des choses qui te plaisent, de rencontrer de nouvelles personnes en tant qu'ami, etc., de sortir, de créer de nouvelles activités, tout simplement, pour reprendre un petit peu le contrôle sur ta vie et sur tes émotions. C'est vraiment très important pour avoir une relation de couple saine et tu verras que vos échanges seront encore meilleurs. Du coup voilà la mifa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis là pour checker vos commentaires et vous répondre. Suivez-moi sur Instagram, on n'oublie pas. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.